Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes, et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes les jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Dès le commencement, nous savons que nous sommes créés par l'amour de Dieu et pour l'amour de Dieu. Sur cette terre, en pèlerin, nous venons de Dieu et nous allons à Dieu. Notre vie sur terre est le pèlerinage qui nous mène à la rencontre de l'époux, celui qui se laisse trouver par l'âme qui le cherche, le désire et l'aime. Sortir à la rencontre. Nos âmes marquées par l'onction du baptême, assoiffées comme en exil, forme l'Église qui attend la venue du Christ. La création tout entière attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Avec une telle impatience, nous ne pouvons pas seulement attendre, il faut sortir, chercher, aller au-devant pour hâter cette rencontre. Cette rencontre tellement désirée, nous la ferons dans et par nos frères et sœurs, compagnons de route. Dans la parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de la sortie que Dieu veut provoquer chez les croyants. Et moi, est-ce que j'entends cet appel?
Est-ce que je ressens cet irrépressible désir d'être avec le Seigneur? Quelle vision ai-je de ma vie de baptisé? Dieu nous invite à partager sa vie et son dessein pour l'humanité. Il nous propose de relever à la hauteur de notre charité les défis toujours nouveaux de la mission évangélatrice de l'Église. Nous sommes tous appelés à cette sortie missionnaire pour aller au-devant du Christ et nous sommes tous appelés à accepter cet appel. Sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière et de la joie de l'Évangile. Frères et sœurs, portons-nous le souci de la sainte satisfaction de la mission évangélisatrice de nos communautés et de notre contribution pour hâter l'heure de la rencontre tant attendue. Tenir sa lampe allumée. En chemin, pour vivre nos conversions successives, nous avons besoin d'une lampe et il faudra prendre soin de sa flamme. Cette flamme, c'est la foi en Christ, lumière du monde, reçue de l'Église, la parole vivante sur laquelle se fonde notre Amen. La lumière de la foi en Jésus éclaire le chemin de tous ceux qui cherchent Dieu. Car Jésus est le chemin véritable qui mène à la vie en Dieu. La foi est une écoute qui permet de contempler Dieu et de le connaître, de le reconnaître à l'œuvre dans le monde et dans nos cœurs. La foi nous donne l'espérance du retour du Christ et de la résurrection avec le Christ, qui change notre regard sur les signes des temps, les épreuves et les ténèbres. Le chemin ne manquera pas d'embûches et il faudra tenir et entretenir la flamme pour ne pas baisser les bras, pour ne pas se laisser ravir la joie des épousailles. Pour cela, il nous faudra de l'huile. Et cette huile, c'est l'Esprit Saint qui vient au secours de nos faiblesses et de nos manques. Il nous faut tous les jours, à chaque instant, renaître d'en haut, c'est-à-dire nous livrer nous-mêmes à l'Esprit qui nous visite. Personne ne peut se livrer à l'Esprit à notre place. C'est une démarche personnelle de consécration de tout son être à l'Esprit que nous pouvons vivre en Marie qui nous ouvre le chemin. Veillez et soyez prêts. Il nous arrivera de nous endormir. La foi est toujours un mélange de lumière et d'obscurité. Parfois, on avance dans la clarté de Dieu et la foi est une évidence. Parfois, c'est la nuit qui nous entoure et c'est alors qu'il nous faut un peu d'huile en réserve. Veiller, c'est rester fidèle. C'est scruter, c'est écouter, c'est être à l'affût du signal de la présence de l'époux dans le monde d'aujourd'hui, dans nos vies quotidiennes, ici et maintenant. Tu connais mon cœur, Seigneur, et tu sais que je veux faire de mon mieux dans cette vie. Mais tu connais aussi ma fragilité, les circonstances de la vie, les difficultés du quotidien. Viens à mon aide. Permets que ce chemin que j'entreprends chaque matin vers toi ne soit pas un poids en plus, mais une lumière et un feu intérieur qui guide mes pas et mon cœur et rende légers tous les fardeaux de la journée, car tu es avec moi.